Le kuyi est un rituel initiatique masculin du Moyen-Ogoué dont l'acteur principal est un masque qui exprime la volonté et le courage de l'homme face aux épreuves. Nous le retrouvons ici sur les rives de l'Ogoué, à Lambaréné, près du célèbre hôpital du docteur Schweitzer. Rituel de la société secrète masculine de Mouiri chez les Massangou, la danse de masque Mukuyi Mayenge est exécutée lors de réjouissances publiques marquant les événements familiaux particuliers. Appelé Ngontan dans la province de l'Extrieur, Minkouk dans celle du Moyen-Ogoué, cette danse de masque à quatre faces sert de trait d'union entre les vivants et les défunts qui sont invoqués lors de cérémonies rituelles. À la signification secrète connue des seuls initiés, le Mbouete de Bakota Mahungwe a la particularité d'être exécuté par un danseur placé sous une coupole en raffia, forme originelle dont il se libère par moments pour s'exprimer individuellement. Le Mbouana est un danseur masqué sur les chasses de la famille du Mouri. Il a le pouvoir de protection qu'il dispense au cours de cérémonies de deuil ou de réjouissance.
Bodhi est un masque emblématique de l'Ogwe Lolo. Son origine se dispute entre Pouvi, Masango, Dzebi, etc. Il est présenté lors des cérémonies d'initiation ou de réjouissance pendant la période de la grande saison sèche. La sortie du masque est annoncée par un officiant vêtu d'une peau de panthère et d'une écharpe de feuilles fraîches de bananier. Le masque sort trois fois, pendant à peu près la même période de temps. Durant les intermèdes, des danseurs initiés présentent des acrobaties. Le masque est appelé afin de veiller à la protection des enfants, afin d'arbitrer les conflits et de restaurer la concorde dans les familles. Voici arrivé au terme de ce parcours qui nous aura conduit du Haut-Ogwe à l'Ogwe Lolo en empruntant le sentier de la danse. Nous avons ainsi pu découvrir ou redécouvrir des danses qui font le presse.